Bonsoir tout le monde, comment nous y est? Jodi, nous allons parler de voyage. Mais qui ont l'autre aspect. Jodi, tout le monde d'accord que le coronavirus là, fait un pile changement, un pile activité dans le monde. Là. En pile ça nous te qu'on fait, en pile façon nous te qu'on vive. Jodi, nous faisons différemment. Jean, nous te qu'on allons dans un restaurant, il y a un pile changement. Jean, nous te qu'on aller sur une place publique, il y a un pile changement. Non, mon voyage dans tout n'est pas différent. Il y a un pile voyage, un pile principe que quelques compagnies avion et quelques pays déjà annoncé. Et puis quelques bagages tout d'après analyse, pas nous nous pensons qu'il pourrait le gagner. Nous allons parler de ça tout à l'heure comme ça. Mais avant tout, pas oublier. Si vous pouvez abonner avec la chaîne, cliquez sur le bouton en bas pour capable abonner. Activez la cloche pour cacher nos notifications chaque fois que nous lançons une nouvelle vidéo et partagez la vidéo avec toutes les amis. On regarde quelques changements qui sont déjà annoncés dans le monde voyage. Là. Premièrement, masque. Plusieurs pays déjà mettent masque obligatoire pour le monde voyager. Dans l'aéroport, dans l'avion, ni l'eau à embarquer, ni l'eau à descendre l'avion. Et quelques compagnies d'avion déjà mettent ça obligatoire. Tout. Il y a des gens qui ont un voyage dans la TAM, Brésil, par exemple, à partir du 11 mai, ne pas voyager sans masque. Nous ne savons pas est-ce que vous allez disponibiliser masque pour les clients qui partagent masque non. Mais côté un grand monde, quand un petit monde, quand un petit bébé, là t'as déjà mettez masque obligatoire à partir 11 mai. À partir 8 mai lui-même, golmande pour que tout le monde mette masque là où voyager. Ça c'est un premier changement qui est déjà annoncé et ça va étonner nous si plus devant l'autre compagnie mette ça tout comme obligation. Mais si vous mettez la venir avec nouvelle lampe. Deuxième changement. Test. En pile pays, comment c'est obligé pour que yon moun voyage pour yon moun vienne dans le pays yon, ou obligé présenter avec yon test coronavirus que yon ba yon nombre de temps dépendamment de pays yon, faut que présenter avec test là pour qu'on capable rentrer dans le pays yon. Emirates lui-même lui fait ça différent. Dans Émirats Arabes Unis, Dubaï par exemple, compagnie avion local là, lui-même lui commence à tester quelques passagers. Donc, dans quelques vols gagnés, tout le monde qui va embarquer, il font un test rapide pour voir si vous avez embarqué, si toutefois ou pas gagné. Il y a un aéroport dans le monde même qui fait ça différent, qui met les tests disponibles, mais ou obligé de payer pour faire test là avant qu'on embarque. Par exemple, dans l'aéroport Vienne, dans le pays Autriche, ou une option pour faire test là. Mais test là pas bon marché, il coûte environ $200 américains pour tester avant embarquer. Est-ce que y a quelques compagnies nous connaît qui volent le Brésil? Est-ce que vous allez implémenter ça ou pourquoi qu'on est? Mais tout ça c'est une possibilité. Et troisièmement, processus embarquement a commencé différent. Un peu de monde qui voyage déjà toujours ouais que premièrement yo fait grand monde voyager embarquer avant pardon. Deuxièmement, qui est-ce qui fait embarquer c'est monde qui a voyagé en première classe en classe exécutive. Après ça, moun ki pral derrière avion ou commencer à embarquer. Et généralement, yon kon fè moun ki pi devant embarquer, ça yon vient derrière net là. Koun ya bagay yon changé. J'ai ou te dit dans la Bible, le premier sera le dernier sera le premier. Koun ya en pile compagnie avion qui est annoncé que yon pral changer processus embarquement. Par exemple, United Airlines, koun ya c'est moun ki a nan dernier ligne qui a embarqué avant que yon arrive. Ça veut dire soit voyage en première classe, comme c'est devant avion à pied, il y a fait moun ki derrière yon embarqué avant pour éviter que si moun devant fin embarqué, moun derrière koun ya pral passer beaucoup de moun devant pour yon rentrer. Non, pour éviter ça, pour faire plus de distance possible entre les gens, il faut que les gens embarquent en bas. Troisièmement, service dans l'avion. En plus, les gens dans l'avion remet chita pour bien manger. Surtout, leur voyage en exécutif, quand ils ont un service qui est tout à fait différent, eh bien, pour y aller, pour aller des changements. Premièrement, quelques compagnies pour mettre plus d'obligations, ça veut dire non vol 1 heure de temps ou vol 2 heures de temps, en plus compagnie pour tout pas servi en rien pour éviter trop de contact entre passagers avec hôtesse de l'air. Quelques compagnies tout pour réduire les options, réduire les possibilités de contact, ça veut dire que je ne mange dans l'avion pour être capable de manger moins à l'aise. L'autre bagaille encore, c'est sale VIP. Tout le monde qui suit vidéo ou bien photo me fait ma voyager ou que je me sale VIP en pile. Je ne pas négocier voyager pour que je ne pas accès à sale VIP. Quelques compagnies déjà fermé sale VIP, malgré que je prévois réouvert, mais je pense que je vais ouvert différemment.
y a quelques airports qui ont été fermés totalement, il y a tout l'air ouvert, il y a ouvert totalement différent de gens qui nous connaissent. Uniforme hôtesse. Plusieurs, il y a quelques uniformes hôtesse qui ont commencé, ou quelques compagnies qui ont commencé à présenter. Tant que vous êtes dans la ligne, vous avez pris tout corps, toute figure bouché presque, ou presque pas rien. C'est une façon pour être capable de protéger le staff avion et protéger ou même tout comme un passager. Parce que pas oublier, si dans le premier voyage, tu as une hôtesse qui prend le virus, là, si vous voyagez dans le prochain, ça arrive pour croiser avec hôtesse, ça, vous venez prendre. Une uniforme totalement différent dans un pile compagnie avion, une uniforme qui est plus décolleté, plus sécurisée, plus protéger presque tout comme on pour le couvrir. Façon mon chita dans l'avion, jusqu'à présent ça a fait un pile débat. Pourquoi il y a un plus fort avion, yo, généralement surtout dans la classe économique, là, toujours il y a 3 chaises ou bien 4 chaises dans l'avion wide body, yo, généralement, tant pour Airbus 330, 350 ou bien dans Boeing 777, il y a toujours un premier rangé 3, il y a un rangé 4 en mi-temps et un autre rangé 3. Il y a essayé de faire une façon pour que vous diminuez de 1 tiers capacité avion. Yo. Ça qui n'est pas bon parce que ça c'est déjà un bagage qui peut augmenter le prix billet d'avion si ça t'a fait d'après analyse PAM. Puis vous commencez à étudier pour voir est-ce que vous pouvez annuler les chaises dans le mi-temps pour que vous fassiez de sous-côté rester fonctionner seulement. Bon l'autre projet qui a l'étude c'est pour faire que chaise dans mi-temps au lieu d'y aller dans la même direction avec l'autre deux monde qui dans extrémité yo pour que li virer dans l'autre sens. Mais ça pour moi même li pas fait grand effet parce que moi c'est parce que même bagarre. Mais ça qui fait plus sens c'est éliminer chaise dans mi-temps, ça nous déjà connaît qui ta doit augmenter prix billet d'avion. Et jusqu'à présent, ça c'est analyse PAM de changement qui capable gagner dans voyage. Dans la vidéo, ça m'a vraiment participé plus. Parce que le monde toujours commenté, nous aimons ça. Et dans la vidéo, ça m'a vraiment commenté plus pour dire, d'après vous-même, qui ça vous pensez qui pourrait gagner comme changement dans le monde voyage là. Merci en pile, c'était Jonas Amazon. Pas oublier, abonnez, partagez et puis activez cette cloche là. Merci en pile.